Bonjour YouTube, alors premier vlog du montage du studio. Alors merci tout d'abord pour le projet Ulule, que j'ai reçu l'argent il y a de cela quelques jours. J'ai commencé à passer les commandes, ça avance bien, on va faire un petit tour de l'état du lieu. Alors désolé, c'est dans un état mais catastrophique. Je filme avec mon téléphone hein, puisque c'est un petit peu le bazar, mais on va vous montrer un petit peu. Alors là, le fond vert, formidable. Donc là on a le coin qui va être dédié en fait au stream. Où il y aura les lives studio, donc je serai normalement assis ici devant le fond vert avec les lampes, etc. Et voilà à quoi ça ressemble à peu près pour le moment, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Voilà, donc vous avez le PC, la moquette qui est en train d'être préinstallée, on a mesuré avec les planches, tout ça, donc tout est mis là. Là, il y aura la deuxième partie qui est tout aussi bien rangée pour le moment. Donc là, il y a l'écran, le nouvel écran d'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore montré, je vous montrerai après. Le nouvel écran qui est en pause. Donc en fait ici là il va y avoir une table qui va faire un genre de T exactement pour séparer un petit peu la partie où on va rouler en triple screen, où on fera les vidéos, et l'autre côté où on diffusera. Donc il y aura vraiment la partie que j'appelle moi la partie studio TV, c'est-à-dire la partie où il y aura les streams et les lives. Le PC est toujours là, donc la 1080 n'est pas encore dedans hein, ce sera le dernier achat du mois. Donc j'ai refait un petit peu, donc vous voyez que j'ai mis un petit raccord ici. Il y aura le micro sur pied. Le Razer qui est ici, qui bah voilà, bouge, hein, donc sera où il y aura le play seat. Là, il y a toujours la partie un peu avec le bureau et tout ça, donc voilà à peu près. Voilà, alors comme vous le voyez, c'était extrêmement bien rangé. Donc voici l'écran dont je vous parlais. Donc c'est un Yama 28 pouces 4K qui va me permettre de faire des vidéos de bien meilleure qualité en fait. Ça va me permettre de vous proposer du contenu, notamment les onboard en bien meilleure résolution. Bon, il est là en attendant parce que je suis en train d'uploader le Grand Prix d'Abu Dhabi, hein, vous le voyez, c'est marqué dessus normalement. Voilà, Abu Dhabi. Donc, ce sera en dispo normalement à 16h, bien avant le jour où sortira cette vidéo. Navré clairement pour l'éclairage, c'est pas top. Donc voilà, donc la moquette est en train d'être placée, le fond vert est là, on a refait l'électricité, on a passé également Internet. Donc tout est installé, le PC sera normalement gardé à cette place-là pour que l'aération se fasse dans ce sens-là. Donc voilà, donc tout a été installé. Donc maintenant l'électricité est déjà là aussi. Tout est prêt, il y a juste ça qui doit partir. Mais j'attends que la vidéo ait fini de se mettre en ligne pour tirer la prise et pouvoir mettre la moquette. Voilà. Pour le premier point vlog. Donc vous voyez un petit peu l'état. Donc évidemment c'est comme qui dirait le bordel. Voilà, donc avec le PlaySeat, le nouveau. Donc avec l'ancien pédalier. L'ancien pédalier, le nouveau est là. J'ai reçu le nouveau. Donc ça c'est celui qui est cassé, que je dois changer évidemment. Là vous avez évidemment le PlaySeat déjà installé avec le TSP-CRSR pour le moment. Vous avez déjà la nouvelle webcam, donc ça c'est cool, je peux vous la montrer. Donc c'est une C922 de chez Logitech. Pas de placement de produit hein. Je l'ai payé avec les sous du crowdfunding comme tout le reste. Voici l'écran, donc le Yama qui m'a été recommandé par un ami qui a la même bestiole et qui en est plutôt satisfait. Donc voilà, j'ai un peu utilisé cet écran pour ce qui va être notamment les onboard que j'aimerais vous proposer en 4K. L'ancien écran qui reviendra après, il y aura deux écrans de chaque côté pour refaire le triple screen. Là il y a une table, là il y a la nouvelle chaise du stream, là il y a la boîte avec le T300. Là-bas, tout au loin, il y a les lampes, il y en a deux lampes qui viendront de chaque côté. Voilà, c'est un peu le point sur le bordel actuellement dans ma chambre. Voilà, que voulez-vous? C'est un petit peu le footwear, mais ça fait partie aussi du boulot. Donc voilà, je vous rassure, il y aura moins de vidéos. Je vous l'ai dit en Facebook et Twitter, il y aura peut-être moins de vidéos d'ici la fin du mois. Donc voilà un petit peu où on en est. Deux, trois messages aussi. Donc déjà, moins de vidéos en ce début janvier, donc jusqu'au 15, 15, 17, 20, hein, pas trop, mais bon, parce que il faut tout installer et c'est un peu compliqué de travailler avec. Voilà, là je peux pas, là il y a plus de siège, il n'y a plus rien. Donc évidemment, il y aura un peu moins de vidéos. Je prépare également une FAQ pour les 15 000 abonnés. Comme ça fait longtemps qu'on n'a plus fait d'FAQ, ce serait cool d'en refaire une, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué et qui ont changé. J'ai la confirmation des championnats que je commenterai cette année sur la TV. Donc il y aura normalement la FFSCA 2 championnats, le championnat PLM WTCS, ainsi qu'un autre championnat d'une structure e-sport assez connue que je ne peux pas encore dévoiler parce que c'est en pourparlers. Mais si vous aimez les Porsche, il y en aura. Voilà, ça c'est le teasing qui va bien. Merci encore à toutes celles et ceux qui auront permis
ce crowdfunding. Alors, ce n'est pas la vidéo remerciement. Hein. Ceux qui ont commandé les t-shirts aussi en contrepartie, je vais rentrer en contact avec vous pour vous demander votre taille. Parce que je vous envoie un 2XL, vous n'allez pas savoir le mettre. Hein. Si je vous envoie ça et que vous faites 40 kilos, ça va être compliqué. Bref. Donc, je vais essayer de rentrer en contact avec vous et commander les t-shirts pour qu'ils vous soient envoyés, je l'espère, avant la fin du mois, voire au grand maximum début février. Mais normalement, fin du mois, ça devrait être fait sans problème. Voilà donc pour cette première partie du vlog. On va essayer de ranger, de déblayer, d'avancer, de coller de la moquette. Et on va voir comment tout cela évolue. La journée va être, je pense, longue. Mais voilà. Donc vous avez un petit aperçu de ce que c'est. On va voir comment ça évolue dans quelques instants. On continue la mise en place du studio avec la moquette qui est mise. Ça y est, donc vous allez pouvoir voir. Il y a donc la moquette qui est là. Donc ça, c'est le studio tel qu'il va être. Donc il y a déjà la table, la chaise, le fond vert et ici, juste ici, la lampe. Donc il y a la partie en T, je vous disais. Ça avance plutôt bien. Je suis plutôt content du résultat. Niveau isolation sonore, ça va être beaucoup mieux que ce que j'avais avant avec le bruit qui était présent quand je streamais du sol ou de la chaise et tout. Ici, on a donc une nouvelle chaise, un nouveau sol, donc c'est beaucoup plus agréable. C'est pas une chaise très haute, hein, c'est vraiment du basique. Mais le principe, en fait, c'est que je n'ai pas de dossier lorsque je m'incruste sur fond vert. Donc comme ça, ce sera tip top, propre, nickel. Bon, l'étape suivante, c'est de mettre le triple écran, ou du moins deux écrans pour le moment, en place, et mettre la table de l'autre côté, prendre les mesures et fixer tout ça. On continue, donc ça se passe bien. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour le moment. Donc voilà à peu près où on en est. Donc ici, c'est le poste où il y aura le play seat comme ça. Normalement, il y a déjà ajusté l'écran, parce que ça, c'est dégueulasse. Mais il y aura un troisième écran qui reviendra pour faire le triple écran, qui me permettra de faire peut-être un peu de triple screen plus tard. Ici, avec la commande donc de la souris, toujours le clavier qui viendra ici, et le micro. Donc ça, ce sera le côté tournage quotidien, on va dire. Et ensuite, donc les deux tables sont mises ici en dessous. Et alors, en fait, là, c'est la partie stream, donc... où il y aura donc la webcam que j'ai déjà mis pour vous montrer un petit peu. Il y aura donc la webcam avec un écran pour le jeu et un autre écran où je monitorerai tout, donc la réal, le son, etc. Normalement, il y a un trou ici et un trou là, puisque l'autre table est noire. Ici, on va passer tous les câblages et l'autre côté, en fait, vous aurez ce qui passera pour le casque, donc le micro-casque avec le compresseur audio qui viendra ici. Donc comme ça, j'aurai les deux écrans, je serai filmé droit. Alors ce sera un peu plus haut, hein, je mettrai la caméra à hauteur du haut des écrans pour m'avoir bien en vue un peu de dessus. Et donc voilà, donc ici c'est l'emplacement, donc il y a encore, vous voyez, une masse câble et tout. Le nouveau tapis que j'ai pu aussi installer, qui sera beaucoup plus confortable, surtout quand je dois passer d'un écran à l'autre très vite, ce qui me posait problème dans mon ancienne installation. Et alors voilà, donc la chaise, ça ne bouge pas. Et j'ai déjà mis une lampe histoire de vous montrer ça avec un peu de clarté. Donc voilà à quoi ça ressemble en résumé. On va dire ça en gros résumé. Donc voilà, comme ça j'ai vraiment quelque chose de tout à fait correct, même plus que correct d'ailleurs. Donc on va essayer de continuer de ranger encore 2-3 choses et le reste, eh bien, ce sera terminer le U ici, parce que oui, il y a encore une planche comme celle-là qui viendra ici pour faire vraiment un U avec les écrans. Alors voilà pour la première partie du vlog de montage du studio, on va la terminer ici. J'espère vous retrouver rapidement pour de nouvelles vidéos. Je vais pouvoir essayer de commencer à retourner rapidement d'ici quelques jours. Donc il y aura encore un écran à aller chercher qui viendra là. J'espère prendre un 27 pouces si je peux. Si pas, ce sera un 24, mais bon, on verra avec le budget. Concernant le reste, bien voilà, tout est installé. Donc il ne reste plus maintenant qu'à réinstaller le playseat qui recevra son nouveau pédalier normalement. Et ensuite, bien voilà, le microcasque qui doit arriver, je crois, lundi prochain, donc lundi qui suit cette vidéo. Et voilà, donc il est temps de nettoyer, de tout mettre à la poubelle, de passer un grand coup de nettoyage et de vous faire, eh bien peut-être, je l'espère, quelques plans globaux de ce à quoi ressemble pour l'instant le studio, même s'il faut encore, toutes les planches ici doivent être vissées, enfin bon, voilà, tout doit être fait un petit peu en arrière-plan. Alors, concernant la vidéo de remerciement, elle arrivera dans quelques jours, évidemment. Je vous contacterai aussi, je vous disais, pour les t-shirts. La vidéo d'Abu Dhabi, je ne sais pas quand elle sera uploadée parce que j'ai déjà eu 2 strikes de la FOM en tentant de l'uploader et j'ai peur d'en mettre une troisième et qu'on bloque ma chaîne. Voilà. Parce qu'en fait, visiblement, le départ est filmé comme la vraie course, donc ils considèrent ça comme des droits d'auteur. Donc je vais essayer de l'uploader sur une chaîne indé que j'ai qui ne sert à rien. Si j'ai pas de strike, je la re-uploaderai seulement
sur la chaîne principale. Donc merci pour votre patience. Habituellement ça aurait été réglé en peut-être 2 jours, mais là je dois seulement relancer un rendu, ce qui est d'ailleurs le cas. On ne le voit pas, mais voilà, là tout en bas il y a un petit rendu, là vous le voyez, qui est là en cours. Donc ça c'est le rendu d'Abu Dhabi, qui est pour la 4e fois en cours depuis Nouvel An. Voilà, merci à toutes et à tous, on se retrouve très vite donc pour la suite. Si vous avez des questions, dans les commentaires évidemment. Et ben voilà, passez un bon week-end et à la prochaine. Salut !